Est-ce qu'on est ensemble? Oui. C'est le meilleur chant de l'hymne national que nous avons enregistré depuis qu'on a commencé. Parce que ça a été chanté avec amour. Oui, parce que ça a été chanté avec dignité. Oui, ça a été tellement bien chanté que ça nous a tous fait honneur. Félicitations. Merci, Madame la Directrice Générale. Madame la directrice générale, vous me permettrez de ne pas prononcer un discours, mais expliquer à l'auditoire pourquoi nous avons choisi les universités pour fêter les 100 jours du CNT. Ensuite, je vais vous faire une petite présentation du CNT. Et cette présentation me permettra d'aborder sa composition, mais aussi, et ce qui est important à préciser, et quels sont les acteurs qui composent le CNT. Mais quel est le lien entre sa composition et les missions de la transition voulues naturellement et prévues dans les dispositions de l'article 2 de la charte de la transition. Je ne parle pas des missions du CNT, mais je parle des missions de la transition. Pour ne pas que un conseil national dise que j'ai marché sous sa langue. Enfin, je vais introduire les panélistes. Chacun, en ce qui vous concerne, va prendre 10 minutes seulement pour présenter la partie qui vous concerne. Mis en place le 22 janvier 2022, le Conseil national de la transition, organe collégial, délibérant, conformément aux dispositions de la charte de la transition, est l'organe législatif. Organe qui a pour principal but de voter les lois pendant cette période. Et c'est seulement le 5 février que le CNT a été officiellement installé. Cette date, le président et les vice-présidents ont été respectivement installés dans leurs fonctions. Et cette date, en un jour, nous avons eu la semaine passée 100 jours. 100 jours dans une transition de tous les enjeux et de tous les défis. 100 jours pour refonder l'État. Alors, on s'est dit de ne pas laisser passer inaperçu cette date. Pour présenter notre bilan au peuple guinéen et présenter ensuite nos perspectives au peuple guinéen pour les 100 prochains mois. C'est une obligation de redevabilité parce que nous avons l'obligation de vous représenter et nous avons l'obligation de vous rendre compte. Alors,
pourquoi nous avons choisi les universités pour délocaliser les activités du CNT? Parce que l'université obéit à des valeurs que nous retrouvons dans l'article 1er de la charte de la transition. Je ne vais pas vous lister toutes les valeurs, mais la valeur la plus importante pour nous, c'est l'universalité. L'universalité de l'université fait que c'est un cadre idéal de débat, d'échange sur toutes les questions qui touchent l'intérêt de la nation. Parce que vous avez l'esprit critique. Parce que vous êtes à la recherche de la connaissance. Et d'ailleurs, nous sommes à une institution qui forme des journalistes, des communicants, des spécialistes de l'information et de la communication, tout simplement. Donc, ils ont besoin de l'information. Pas seulement de l'information venant de nous, mais aussi l'information qui provient de la population binaire. Le deuxième principe, ou excusez-moi, valeur qui justifie notre présence ici et qui sont des valeurs de l'université, c'est la neutralité. J'ai jamais entendu dans un pays une université du Parti socialiste ou une université du Parti démocratique. Les universités sont neutres. Et cette neutralité fait que on peut mieux discuter avec vous et approfondir les questions qui touchent la vie de la nation, surtout en cette période de transition. Et troisième valeur, non négligeable, c'est la laïcité. L'université est laïque. Ici, dans cette salle, il y a toutes les religions dominantes de notre pays qui se retrouvent ici. Et chacun a la liberté de foi. Et comme ces trois valeurs, pour ne citer que celles-là, sont respectées dans l'université, nous avons estimé que la première sortie du CNT à l'occasion des 100 jours doit se faire dans les universités. Il y a quelque chose qu'on ignore dans l'université, c'est la recherche de la vérité. Et quelles que soient les difficultés, la révéler, pas seulement au sein du campus, mais à l'extérieur du campus. Pas seulement dans le pays, mais à l'extérieur du pays. C'est pourquoi l'université est caractérisée par cette valeur d'universalité. Parce que les vérités qui proviennent de l'université de Kuntia, de l'Institut de Kuntia, quand ces vérités bénéficient du sceau de l'université, deviennent des vérités universelles. Parce que ça ne se limite pas ici. Donc, ces trois raisons qui sont des valeurs nous commande à ouvrir les portes et les fenêtres de notre institution vers vous. Nous allons vous dire ce que nous avons fait et ce qu'on compte faire. Et vous savez ce qui va être fait. Un échange se établira entre vous et nous parce que nous sommes censés représenter la nation guinéenne dans toute sa diversité. Mais lors d'un de mes séjours aux États-Unis, j'ai visité cette organisation américaine qu'on appelle le Freedom House, une organisation qui est reconnue pour son travail sur les questions de la liberté de presse, pour la liberté d'opinion d'une manière globale. Ceux qui ont visité le Freedom House savent, il y a une citation
que j'ai vu gravé sur le mur de cette institution, qui dit aussi que le rôle de la presse, c'est de donner la lumière au peuple pour que le peuple retrouve son chemin. Félicitations. Donner la lumière au peuple, pour donner la lumière au peuple pour que chacun retrouve son chemin. Quand vous analysez ça, c'est tout un livre. Oui, livre de liberté. Livre en matière d'indépendance. Parce que donner la lumière pour permettre à chacun de savoir où il doit passer, où il doit partir, et quel est le chemin emprunté. Mais ce n'est pas à vous de choisir le chemin pour le peuple. C'est chacun qui doit choisir son chemin. Parce qu'il y a de la lumière. Et quand il y a la lumière, celui qui décide de tomber dans un trou, c'est qu'il a choisi d'aller dans un trou. C'est pourquoi votre rôle est crucial pendant cette transition. Beaucoup sont sous les bancs, mais vous êtes écouté par l'opinion, parce que vous devez être un modèle en matière de relais et d'information. Mais ce travail exige de vous des qualités personnelles. C'est ça qui justifie notre présence au sein de votre institution, d'ailleurs de notre institution d'enseignement supérieur qui est l'Élysée. C'est qu'est-ce que le CNT, le Conseil national de la transition, organe collégial délibérant, qui joue la fonction d'organe législatif de la transition. Le CNT est composé de 81 membres. Les 81 membres, selon les dispositions de la charte de la transition, sont choisis en fonction de leur moralité, en fonction de leurs compétences et issues d'entités dont je vais énumérer les principales entités qui composent le CNT. Les partis politiques, 15 représentants sur 81. Les partis politiques de toutes les tendances, de toutes les tailles et de tous les âges composent le CNT. Mais sur la base d'un principe, à raison d'un représentant par parti. Ceci est important. Deuxième chose, deuxième entité qui compose le CNT, c'est les organisations tertiaires de la société civile, naturellement en France dessus, ici. Ensuite, vous avez les organisations issus du secteur privé, ils sont nombreux, mais il y a les représentants des patronats, il y a les organisations informelles et les métiers, il y a les organisations socio-professionnelles qui sont l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens, et l'ordre des avocats. Ce sont les trois entités socio-professionnelles qui sont désignées comme membres du CNT. Ensuite, vous avez les représentants des régions, des quatre régions. Vous avez les représentants des Guinéens de l'étranger. Vous avez les représentants des forces de défense et de sécurité. Vous avez les représentants des centrales syndicales. Vous avez les représentants des confessions religieuses, des deux confessions dominantes. L'islam et le christianisme sont représentés au niveau du sein du CNT. Vous avez les organisations de femmes, les organisations de jeunes.
cadre civil, à travers différents composants, je fais un arrêt au niveau des forces de défense et de sécurité, et je continue au niveau de l'organisation professionnelle, je parle de syndicat, et je parle de religion, je parle de région. Et une composante essentielle que j'ai failli occulter, ce sont les organisations représentatives des médias. Et je vois quelqu'un d'autre sourire derrière, aussi les hommes de culture sont représentés au sénateur. Je ne citerai pas tout le monde, mais chacun se retrouvera dans une des entités, soit politique, sociale, économique, culturelle, confessionnelle, pour les forces de défense et de sécurité, parce que les jeunes et les femmes sont aussi très bien représentés au sein du CNT. Alors, convenez avec moi que toutes les composantes de la vie nationale se retrouvent dans cette entité. Mais est-ce que ça suffit pour vous représenter valablement? Ceci n'est pas suffisant. Nous devons constamment consulter. Nous devons échanger avec vous. Nous devons dialoguer avec vous pour que vos préoccupations, vos aspirations les plus légitimes soient prises en compte dans notre travail quotidien d'élaboration des lois, mais aussi des contrôles de l'action gouvernementale. Alors, pour terminer mes propos, il y a des choses qui sont essentielles à savoir. La transition que nous vivons aujourd'hui est une transition que tous les Guinéens aspirent qu'elle soit la dernière. Mais quand on dit dernière transition, c'est moins important. C'est lourd aussi en termes d'engagement et de responsabilité. Ça veut dire que nous ne devons pas rater les réformes. Les réformes doivent être équitables. Elles doivent être profondes. Et elles doivent être opérées sur la base d'un processus consultatif qui permette à toutes les composantes de la société d'exprimer leur point de vue. Et que les réformes soient en phase avec les préoccupations de nos concitoyens. Et les réformes, elles ne sont pas que législatives. Elles sont aussi institutionnelles. Et l'ensemble des deux ne sont possibles qu'à travers une constitution. Une constitution qui soit légitime. Une constitution qui réponde aux différentes questions posées par la population, par les populations de notre pays. C'est pourquoi nous travaillons pour que cette constitution et cette transition soient la dernière. Nous devons avoir des institutions solides. Ça veut dire des institutions solides, des institutions qui sont mises en place par des textes juridiques qui tiennent compte des standards les plus élevés en matière démocratie. Parce que quand on parle d'institutions démocratiques, c'est parce qu'elles sont voulues par la démocratie. Et nous devons tenir compte, en écrivant les lois qui doivent mettre en place les institutions, les standards démocratiques les plus élevés possibles. Et ces textes de loi ne doivent pas être taillés sous mesure. Taillés sous mesure, nous avons connu les exemples de la transition de 2010. Où des membres du CNT qui légiféraient se préparaient à diriger les institutions après la transition. Nous avons été quelquefois partisans en 2010 parce que des personnalités, en faisant les textes, se voyaient déjà à la tête de ces institutions. C'est pourquoi la charte de la transition a réglé cette ambivalence dans l'esprit de tous les conseils nationaux. Nous ne serons candidats à aucune élection pendant la période de transition.
ceci est clair. Aucun membre du CNT ne sera candidat à une élection. Mais on ne se limitera pas là. En tout cas, en tant que président de cette institution, j'ai annoncé encore à tous les compétiteurs politiques déclarés ou qui vont se déclarer ultérieurement que je renonce aux propositions de poste qu'ils me feront dans leur gouvernement après cette transition. Oui, beaucoup m'ont dit en aparté que c'est une décision qui est trop risquée. Oui, parce que nous allons organiser des élections. Nous allons d'abord faire des textes de loi dont la norme supérieure qui est la Constitution. Nous allons mettre en place des institutions républicaines et le tout couronné par des élections. Et pour vous diriger l'organe qui va faire toutes ces réformes, à la fin de la transition, le président élu qui coopte dans son gouvernement. Est-ce que vous pouvez être respecté? C'est pourquoi ce n'est pas une décision pour la vie, mais les 5 années du président élu après la transition, je m'abstiens d'occuper les fonctions dans son gouvernement. Ceci pourquoi, pour enlever le doute sur notre neutralité. Parce que la neutralité pendant la transition est la valeur fondamentale pour sa réussite. Si les acteurs de la transition ne sont pas neutres, la transition ne réussira pas. Deuxième élément important que vous devez le savoir, on parle d'institutions fortes. Nous allons vous donner notre vision là-dessus. Quand on parle de texte, ces textes-là ne doivent pas être taillés sous les yeux. Pour permettre à ceux qui les rédigent aujourd'hui de se donner des avantages, des faveurs pour diriger ces institutions de l'âme. Non. Et ces textes-là doivent être endossés à des normes universelles en matière de démocratie. Deuxième élément d'institution forte qu'on doit prendre en compte, ces institutions doivent être dirigé par des Guinéennes et des Guinéens de grande intégrité. Vous savez, la question de l'intégrité est une question fondamentale dans notre pays. Parce que ceux qui dirigent les institutions de la République, s'ils ne sont pas intègres, quelles que soient les lois qui ont créé ces institutions-là, les institutions ne fonctionneront pas avec amplitude, avec indépendance, avec efficacité. C'est pourquoi, comme nous ne sommes pas candidats aux prochaines élections, nous allons veiller à ce que des hommes de grande réputation et de haute intégrité soient choisis pour diriger les futures institutions de la République. Et quand on voit des hommes qui seront à la tête de ces institutions, ça ne suffit pas. Il faudrait que les institutions aient aussi les moyens de leur politique. Les moyens de leur politique, nous sommes dans un amphithéâtre, une institution d'enseignement supérieur. Je pense que c'est le plus grand de cette institution d'enseignement supérieur. Nous avons besoin de mieux pour la qualité de l'apprentissage dans notre institution d'enseignement supérieur. Alors, si vous avez les meilleurs programmes de formation, si vous n'avez pas les infrastructures adaptées, le programme ne réussira que 4 ans ou 35%. Le contenu n'est pas aussi comprenant. C'est pourquoi les institutions fortes doivent bénéficier des infrastructures qui sont en phase avec la portée de leur mission républicaine. Nous allons travailler, nous commencerons par l'Assemblée nationale. Comme nous ne sommes pas l'Assemblée nationale, la future Assemblée nationale de la Guinée ne doit pas être logée au palais du peuple, mais doit bénéficier d'un siège digne de nom. C'est pourquoi la petite institution forte, nous l'avons décortiquée en texte de loi, en
personnes de grande intégrité choisies sur la base de principes d'équité et conformément aux textes qui ont créé cette institution. Et troisièmement, bénéficier des infrastructures qui tiennent compte de la portée de la mission républicaine. Regardez, allez-y aux États-Unis, je prends l'exemple sur les États-Unis, parce que c'est la grande démocratie. Je le cite. Mais quand vous regardez le bâtiment le plus impressionnant de la capitale fédérale des États-Unis, vous n'allez pas. C'est quoi? Capitole. Le Capitole est un bâtiment? Non, c'est un monument. C'est un monument. Je crois que le bâtiment, c'est le siège de la Cour suprême des. Je vous assure, c'est le plus gros bâtiment. Quand vous rentrez dedans, c'est comme si vous êtes dans un quartier. Parce que quand on dit la Cour suprême, ça veut dire qu'elle est supérieure à toutes les autres institutions. Donc l'infrastructure doit refléter la portée de la mission de l'institution. Alors, je ne suis pas le seul. Je vais mettre un point à mon exposé. Mais nous devons être conscients que l'essentiel des institutions républicaines de notre pays sont en location. C'est en Guinée, vous pouvez voir un tribunal qui est en location. Oui, un bâtiment qui appartient à un particulier. Imaginez que cette personne, propriétaire de ce bâtiment, est en conflit avec la loi. Est-ce que le tribunal aura les coups de frange pour dire le droit? Alors, la souveraineté exige aussi qu'on donne aux institutions des infrastructures qui peuvent nous amener à être fiers d'elles et à être fiers de leur travail. Nous aurons trois panélistes qui vont naturellement débattre quatre questions. Mais avant de leur passer la parole, je vais vous présenter Madame Bangoura Maïmonayomouno, première vice-présidente du CNT. Est-ce que le modérateur a la biographie des panélistes? Oui, non. Je vous donne la parole pour que vous les présentez. Merci. Je suis là, disponible, pour toutes les questions qui lui seront adressées à titre personnel, mais aussi à ma qualité de président de cette institution, parce que nous sommes venus aussi pour vous écouter. Je vous remercie.